Salut, bonjour. Il y a quelqu'un dont je vous parle assez souvent, ça dépend des sujets, notamment quand on parle d'OVNI autour du Soleil, d'EMV, de véhicules électromagnétiques, EMV, Electromagnetical Vehicle. C'est James Horak, Horak. Il se fait ici interviewer par une radio qui s'intitule Inside the Matrix, donc à l'intérieur de la matrice. Il se dit non humain, mais c'est un sujet qu'on va pouvoir élaborer ensemble plus tard. Il nous parle des EMV qui sont photographiés dans la couronne solaire, d'après les photos de la NASA en plus. En référence au docteur Norman Berggruen, qui avait écrit le bouquin EMVs, au pluriel, dans notre système solaire, in our système solaire, je crois, ou in the corona of Saturn, dans la couronne de Saturne, ou Norman Berggruen, qui a été interviewé par le projet Camelot, donc vous l'aurez sûrement en anglais en tout cas. Peut-être auto-sous-titré. Ce qui vous donne quand même une bonne idée de ce dont il parle. Hein. Ben voilà, il a commencé à étudier les anneaux autour de Saturne. Le troisième anneau n'était pas fini. Il était en train de se créer. Et le temps qu'il finisse son étude, il l'a vu se terminer sous ses yeux, en fait. Alors, il a étudié les photos et il a vu qu'il y avait des vaisseaux spatiaux d'une taille immense, qui finalement était en train de, comment on pourrait-on dire, de tisser la fin de l'anneau, de l'anal, un anal des anneaux. Non mais oui, non mais là ça ne marche pas. Là. Donc, il les a étudiés de plus près, il a remarqué qu'ils pouvaient être émetteurs de jets, de flux, de particules ou de lumière, ou, enfin de plein de choses, et que de toute façon ils avaient une taille incroyable. À peu près 10 000 km de long, au minimum. Un vaisseau spatial de 10 000 km de long. Ben, j'ai dit kilomètres, je crois qu'on peut dire miles aussi, c'est-à-dire 16 000 km de long. 2 ou 3 000 km de diamètre. Oui. Tant qu'à faire, dès qu'on peut. Si on a des machines qui construisent au niveau nanomoléculaire une matière organisée, programmée, faire ça très rapidement, en fait. Surtout si on s'y met un peu tous, au lieu de faire une compétition. Ah, mais c'est pas le sujet, là. blogspot.com. James est le titulaire du site imv.blogspot.info.com, quelque chose dans le genre, sur lequel il traite des EMV. Au-delà de sa présence sur YouTube, par le biais de Ometa One, qui met des images, des vidéos. Sinon, il y a notamment souvent des interviews que j'attribue de haute qualité et d'une profonde valeur humaine. Une logique de survie, de philosophie, dans le sens de j'aime la vie, hein, philosophie, pas que j'aime que la sagesse. Et de façon à réussir son amour avec la vie, autant la prendre dans le sens où elle va, autant comprendre dans quel sens ça va, ça se fait. Sans prérogative personnelle, qu'on peut attribuer à ce moment-là des interférences, en fait. Mais enfin, ce n'est pas le sujet. Donc, il commence son interview de manière rituelle. Vous voulez bien nous donner quelques bases pour vous connaître, s'il vous plaît? Et James répond, eh bien, plutôt dans ma vie, j'ai eu un certain nombre d'expériences qui ont été assez remarquables, et j'ai été par la suite mystifié par quelques-unes des personnes auxquelles j'ai tenté de
communiquer ce qui m'arrivait. Et ce n'est que jusqu'en 1974 où j'ai eu une expérience particulière en Utah. C'était à la confluence du Colorado, la rivière Colorado, avec une autre, Lawrenson, la région de Lawrenson. À une époque où on faisait quelque chose comme une randonnée, on va dire, avec d'autres, il avait des témoins, et ils étaient dans le désert. Alors que l'on faisait une sorte de randonnée nocturne vers les 3 heures du matin, j'ai vu des sortes de lumières qui s'organisaient. Alors que j'avais une idée en tête qui me disait, fais demi-tour, couche-toi, attends jusqu'à demain matin. Ce à quoi il l'a fait, quoi. Et donc, il se réveille le lendemain matin, il a des souvenirs qui lui reviennent en mémoire. Et alors, je me suis rendu compte de ce qui pouvait se passer sous le niveau du sol, ici, à l'endroit où ils étaient, et que ça représentait une opération incroyable, au niveau, je sais pas, on va dire logistique, importance. Et j'ai conçu qu'il y avait sous le sol, là, une base souterraine, du genre de Dulce, qui avait été construite afin de contrôler, de se renseigner sur ce qui était en train de se passer là, dans la région, mais que c'était une opération issue de la part des EMV, hein. Alors EMV, Electromagnetical Vehicle, véhicules électromagnétiques, véhicules qui sont en cas censés contenir des âmes essentiellement, qui se retrouvent en toute euphorie incroyable, dont on a pas envie de s'extraire, paraît-il, une fois qu'on y est confronté. Et comment dire, le vaisseau lui-même est en fait une émanation du désir de justement de ce groupe d'âmes qui est contenu. Et non seulement il semblerait qu'elles soient en pleine liberté de faire ce qu'elles veulent, mais en plus en pleine possibilité de réaliser au niveau physique ce qu'elles veulent. Il faut savoir aussi que pour les ETs communs, les EMV, c'est comme la main de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Nous sommes là en train d'interviewer des ETs qui sont censés en savoir plus que nous sur ce qui se passe. Et eux, quand on les interroge à propos de ces EMV qui tournent autour du Soleil, eux-mêmes disent, on ne sait pas. Pour nous, c'est comme la main de Dieu. Les ETs eux-mêmes, qui sont ceux qu'on considère en général dans nos écrits sacrés comme nos dieux, créateurs, enfin, hackers d'ADN, on va dire, hein, maintenant qu'on a compris l'histoire, eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe au niveau de leur spiritualité la plus fine et de leur idée de création et d'organisation de l'univers. Et se refaire aux EMV comme étant la main de Dieu. Vous avez les poupées matrioshka, hein, les poupées gigognes de la création et de la conscience qui s'éveille. James, mais le docteur Norman Berggren, au niveau de Galilée et de Copernic, quant aux apports que ces gens ont faits à la science générale, de façon à ce qu'il puisse y avoir une prise de conscience plus réaliste de notre situation dans l'univers, en tant que terre, terrestre, conscience humaine, au niveau du Berggren, avec cette nomenclaturisation des EMV. Des EMV en tant que véhicule électromagnétique. Excusez-moi. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à orienter différemment les objectifs de ma vie. J'ai commencé à m'intéresser à plutôt ce qu'il y avait effectivement à l'intérieur de ces EMV. Si vous pouviez nous parler un peu plus de ces EMV, que sont-ils? Sont-ils une conscience? Quelle pourrait être leur fonction? Réponse de James Orrack. Ils sont disséminés partout dans l'univers. La méthodologie qui les sous-tend excède nos capacités de compréhension.
En clair, les voies du Seigneur sont impénétrables. Même aux plus hautes formes de technologie spirituelle, elle est inaccessible. Elles sont présentes dans les cultures extraterrestres, qu'elles soient sous forme unifiée ou multiple. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je vais comparer à l'état d'être de la spiritualité égyptienne avant et après l'arrivée de Akhenaton, qui a demandé à ce qu'on unifie toutes les formes de divinité en une seule. Ce qui n'avait aucune raison d'être au niveau où on se considère là, quelque part, à mon avis. Enfin bon, encore dans le cas. Si je peux me permettre. Et donc, plutôt les Hittites s'y refèrent comme étant la main de Dieu. Elles sont responsables de, on va dire, la logistique autour de la création d'une culture avec les savoirs et énergies dont elle, la dite culture a besoin, de les aider à contrôler leur situation dans le système solaire. Ils sont même parfois intéressés au niveau galactique. On nous a dit que les planètes se créaient et, avec l'aide du temps, finissaient par adopter des formes de concrétisation qui permettaient l'existence, les vies. On nous a dit qu'avec le temps, les gaz mortels se transformaient en gaz nécessaire, acceptable, on va dire. Tout ça, c'est de la daube. Je répète, tout ça, c'est de la foutaise. Fake science. Du nawak. Tout est plus ou moins prédéterminé dans le sens où c'est organisé, orchestré, c'est designé. Il y a des gens qui appliquent la Bible à la lettre, alors qu'en même temps, ils doutent d'autres choses qui y sont notifiées. Et tout ça sert à la confusion, à la division. Et c'est l'état actuel de l'humanité sur Terre. Question, donc, d'après votre perspective, nous assistons là à une bataille. Il y a en fait une guerre contre l'humanité. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent en dehors de notre culture humaine et qui espèrent et qui prient d'autres itis, des autres entités extraterrestres, en dehors d'ici, qui pourraient intervenir de manière à nous aider, à nous donner des conseils, parce que nous sommes sur une planète d'esclaves. Nous sommes ici complètement esclavagisé et contrôlé par différents genres d'entités. Et les gens, nous dit donc l'intervieweur, hein, Jimmy Brent, les gens espèrent qu'il va avoir un certain type d'entité qui va venir ici nous aider, une sorte de sauveur extérieur, quoi. Et est-ce que les EMV ont cet attribut, vont s'en approprier pour réaliser ce vœu, enfin, sur ceux qui devraient faire ça, quoi. Bien sûr, la seule raison pour laquelle votre planète a gardé suffisamment longtemps des conditions de vie viables, c'est grâce aux EMV, parce que sinon, régulièrement, tous les 17 000 ans, vous seriez annihilé par une série d'explosions solaires, de CME, de d'éjection de masse coronale solaire, qui en général détruit toute vie sur son passage, à part quelques créatures qui vivent profondément sous les océans. Et les astrophysiciens se demandent pourquoi est-ce que ça ne se produit pas, puisqu'ils ignorent la présence des EMV. Et il y a une vidéo où on voit une explosion solaire qui se dirige vers Mercure, et où on voit un EMV se développé autour de Mercure de façon à protéger cette dernière avec un bouclier contre l'arrivée des énergies solaires. Les EMV autour du Soleil se débrouillent pour que les manifestations solaires ne prennent pas une ampleur qui risquerait de mettre en vie l'expérience terrestre, on va dire.
il y a une différence entre une explosion de masse coronale et un flash solaire. Les explosions solaires, les solar flares, sont des explosions dont la majorité du matériel éjecté retombe sur le Soleil, par aimantation magnétique, si vous voulez savoir. Mais une CME, une explosion de masse coronale, est si puissante qu'une partie de la masse coronale est expulsée hors de l'atmosphère solaire, donc de l'héliosphère. Et donc, pour comprendre l'histoire de l'accélération de ces explosions solaires, c'est parce qu'on change de polarité et donc par la suite, les particules, au lieu d'être rapatriées sur le Soleil, sont au contraire expulsées de plus en plus rapidement l'environnement solaire, qui n'a pas la même polarité et qui a de moins en moins la même polarité. Donc, qui accélère de plus en plus, de manière mais incroyablement exponentielle, la vitesse de ces particules, si je ne me trompe pas, en toute logique. Donc, on est bien là dans la configuration d'un Soleil qui n'est pas du tout une explosion nucléaire, même si on peut considérer issue du Soleil des manifestations telles qu'on peut en trouver autour d'une explosion nucléaire, mais il s'avère que le Soleil est une manifestation plasmatique qui émet aussi des rayons tels qu'autour d'une explosion nucléaire. Peut-être en raison globalement, il y a longtemps, de la confusion de notre science. Mais alors, comme elle a constaté qu'à la surface du Soleil, il faisait une température globalement de 6000 degrés, et que plus on s'éloignait, qu'on atteignait des dizaines de millions de degrés, voire des vingtaines de millions de degrés, ce qui signifie que plus on s'éloigne de la source de chaleur, plus il fait chaud, plus vous éloignez du feu, plus il fait chaud. Arrêtez de faire du feu chez vous, ça vous du bien. Le plus on est loin les uns des autres, le plus on se chauffe avec leur logique là. C'est du n'importe quoi, hein. Vous avez une glace, un cône, vous approchez de la forge, et quand vous repartez de la forge, votre cône, il a doublé de volume. Quand je dis doublé, c'est rien du tout, hein. On passe de 6000 à 20 millions de degrés. C'est pas doublé là. Donc, comme ça ne correspond pas à leur interprétation, ils appellent ça l'anomalie solaire. Nos scientifiques, là, auxquels on fournit des dizaines de millions d'argent, hein, quel qu'il soit, pour faire des recherches qui sont vouées à l'échec, vu qu'ils ne partent pas sur les bonnes bases, et qu'ils ne veulent pas en changer. Nous sommes face à une caste de scientifiques qui ont arrêté des scientifiques, qui ne croient plus qu'en une seule chose, qui ont perdu leur esprit scientifique de curiosité, de recherche, d'écoute, de test. Et ça non plus, quelque part, entre nous soit dit. Ce n'est pas vraiment une attitude humaine avec l'intelligence qui nous caractérise, en toute humilité. Ce n'est pas normal. Nous, on n'arrête pas de nous confronter à des courants dissidents auxquels il faut s'intéresser sans risquer de déstabiliser toute la structure. Mais s'il s'avère que ça déstabilise toute la structure, il faut s'y adapter. On cherche la vérité, on ne cherche pas à être confiant en nous-mêmes, nous, hein. On cherche à savoir ce qui se passe vraiment. Pas juste avoir une belle histoire à raconter pour être confiant et tout va bien et on continue comme ça. Je pense, hein, en tout cas sur ma chaîne, entre autres. J'en ai vu d'autres. C'est très bien, bravo. Je suis très content, ça évolue, la France évolue un peu, elle récupère le retard. Je reviens, c'est pas 17 000 ans, c'est 17 ans. Tous les 17 ans. C'est CME qui ravage la planète. En quart, ce qu'on peut remarquer, c'est en tout cas si on considère le Soleil comme une ampoule au milieu d'une pièce nue, hein, vous voyez, qui exploserait régulièrement
plus ou moins au hasard. Inondant à ce moment-là les murs alentours. Si on y place la planète Terre, la tournant tout autour, il faut bien constater quand même que tout le monde se fait asperger copieusement, sauf nous. Maintenant, ce qui se passe au niveau du Soleil, de la part des EMV, c'est autre chose. Vous avez des explosions qui sont issues d'orages solaires, qui s'auto-organisent, s'organisent, et qu'on appelle les taches solaires. Et ensuite, ils continuent à se construire, et les EMV monitorent, c'est-à-dire contrôlent ce qui se passe, ce qui peut consister à les empêcher d'atteindre l'intensité qui serait par la suite très dommageable lors des répercussions des explosions solaires, des manifestations solaires, quant à ce qu'on les perçoit sur Terre. Il y a une différence entre une explosion de masse coronale et un flash solaire, solar flare. Solar flare, éruption solaire, simplement. Une explosion solaire, un solar flare, voit la majeure partie de son constituant retomber sur le Soleil. Mais une explosion, un éjecta de masse solaire, une CME, est si puissante que les particules défient la gravité locale et partent pour un voyage dans l'espace, en travers duquel quiconque se proposerait va se voir mis en danger, va avoir des problèmes. Ouais, il faut les éviter, quoi. Nous dites donc qu'elles protègent notre environnement, oui. Les EMV n'interfèrent pas avec le modèle de développement humain. Ils le protègent. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos des SSP, des programmes spatiaux secrets? Vous pensez que l'humain a des technologies super avancées qui nous sont cachées, à nous le public? Nous aurions des vaisseaux à antigravité ou propulsés par plasma? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que vraiment on a tout ça à disposition? Est-ce que ça va être enfin mis à notre disposition ou est-ce qu'on va continuer dans cette situation d'esclave? La technologie est déjà là. Vous avez la possibilité, la technologie, de vous déplacer dans le système solaire. Peut-être pas jusqu'à un autre système solaire. Mais vous n'avez pas la capacité de protéger une quelconque vie qui soit à l'intérieur de ces vaisseaux spatiaux. Vous n'arriveriez même pas à franchir la ceinture de Van Allen. Vous n'avez pas les modèles qu'ont les ETI, les EMV, les EBES, au pluriel. EBE, Extraterrestrial Biological Entity. Et qui les protège justement des bombardements de particules, qu'elles soient cosmiques ou solaires, et des radiations de la part de tous les éléments dont les isotopes sont irradiants et qui sont concentrés dans la ceinture de Van Allen. Mais vous savez, d'une certaine manière, ça nous protège ici sur Terre et d'une autre manière, ça nous empêche d'aller plus loin. Vous savez, nous avons eu des bases sur Mars et même sur la Lune. Mais les gens qui y étaient ont dû déguerpir. Ils ont dû déguerpir parce qu'ils étaient en train de militariser les bases en question vers les années 78 à 84. Vous voulez dire que nos personnels de ces programmes spatiaux avancés avaient trouvé le moyen de passer la ceinture de Van Allen? Non. Non, ils avaient à disposition des vaisseaux EBE, des ETI. EBE. Et c'est d'ailleurs des EBE, des ZEB, des ETI EBE, on va dire, qui les pilotaient parce que nous, on ne peut pas.
ils ont une configuration à laquelle nous ne sommes pas adaptés pour l'instant. C'est moi qui rajoute pour l'instant. Alors dites-nous, question donc, qui est là en train d'interagir avec l'humanité? Est-ce que ce sont des extraterrestres, des intraterrestres? Vous savez, il y a des membres de la communauté élargie, et notamment les blonds, qui en font partie de cette communauté élargie, qui sont originellement basés à partir de la Terre. Vous savez, ils ont rencontré Eisenhower, ils ont proposé leur aide pour lutter contre la présence des Ibis, qui sont un problème pour les existences, où qu'ils soient. Les Ibis, là, EBE, Extraterrestrial Biological Entity, sont un problème où qu'elles soient dans l'univers par rapport aux formes de vie existantes localement. Donc, on a les Blancs qui ont proposé à Eisenhower, Ike, d'aider à résoudre ce problème, mais le complexe militaro-industriel a dit: qu'est-ce que vous nous donnez? Parce que les gris, ils nous filent du matos, ci et ça et ça et ci, qui va détailler, que je vais vous dire quand même, mais on les connaît. Alors les blonds, ils ont dit: non, on ne vous donne pas de technologie, on vous donne un coup de main. Mais les généraux du complexe militaro-industriel ont dit: ouais, ben attendez, les autres, ils nous filent ça et ça. Hein, regardez les lampes LED, les transistors, les, je sais pas, les états solides. État solide, ça me donne envie de dire cristaux liquides, mais bon, ça n'a peut-être sûrement rien à voir, quoique. Le néodymium, le scratch aussi, vous savez, les scratch. Non, là, je plaisante. Ça, je crois que c'est humain comme invention. Question: est-ce que c'est vrai que ce qu'on a entendu dire, que le président Eisenhower avait fait un deal avec les gris pour obtenir de la technologie en échange d'un certain quota d'individus humains sur lesquels il serait autorisé qu'aient lieu des abductions et voire même des expériences? Non, non. Réponse: non. C'est pas vrai. Ce sont les opérations spéciales couvertes, secrètes, Black Ops, qui sont responsables de ces abductions. Rappelez-vous qu'aucune de ces abductions n'a eu des témoins extérieurs. Ce qui se passe, c'est que le scénario est diffusé au sein de l'esprit de la victime, de la cible, depuis une grille de diffusion ou quoi que ce soit qu'ils puissent voir. Et ces victimes pensent que c'est vraiment ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de vivre. Ils veulent que vous croyiez qu'il y a quelque chose qui se passe. Et aujourd'hui, ils ont un problème parce qu'ils ont débunké tous ces expérienceurs d'OVNI et de la réalité des OVNI. Ils l'ont fait autant qu'ils pouvaient parce qu'ils voulaient garder tout ça caché, de façon à pouvoir amener leur petit false flag d'invasion alien hostile. Maintenant, ils ne disposent pas de ces vaisseaux spatiaux EBE, donc ils se concentrent sur un autre moyen de faire ce même scénario. Encart, je suppose, Blue Beam. Question: ah, oui, mais dans quoi? Réponse: des false flags, et vous n'aurez pas une chance. Question: oui, c'est ce qu'on constate avec leur appui vers les vaccinations, vers les restrictions de port d'armes et de détention d'armes, la direction qu'ils prennent pour nous amener une interface vis-à-vis de l'intelligence artificielle, l'Internet des choses, je suppose. Je rajouterais même aussi le cover-up sur les chemtrails, les capacités des minéraux, les nanotechnologies, les influences du Wi-Fi. Tout ceci, entre autres. Mais il faut se rappeler, Wernher von Braun avait une assistante
Carole Rosine, docteur Carole Rosine, à laquelle il n'avait cesse de répéter, lui rappelant qu'il y avait plusieurs stades vers le nouvel ordre mondial, un des premiers étant l'effet de serre, donc notre problème climatique aujourd'hui. Le deuxième étant la possibilité d'interaction avec des astéroïdes, donc chute de comètes, hein, je veux dire. Hein. Alors, ils disent toujours, nous allons monitorer, c'est-à-dire contrôler les trajectoires des astéroïdes. Et on est protégé par des gens qui vérifient la trajectoire. Non, non. Je crois là qu'ils font une omission. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'ils ne savent pas y faire, hein. Puisqu'on a vu lors de l'épisode de Tcheliabinsk en Russie qu'ils avaient un système de réponse ultra rapide et ultra efficace qui limitait grandement les dégâts et qui leur permettait de non seulement de détecter, mais de se matérialiser aux proximités d'un astéroïde, d'un corps étranger qui pouvait intervenir avec la surface terrestre, hein, une chute de météorite, quoi. Gravissime en l'occurrence au Tcheliabinsk, puisque c'était la région dans laquelle sont implantés le nombre de centres de recherche nucléaire russes, et pouvait intervenir à la vitesse de l'éclair, hein, quasiment, résoudre le problème et s'en aller en bonne santé. Hein. Donc, ce qui pourrait nous pousser à penser à croire que finalement, dans les années 80, le projet Star Wars ne se limitait pas à une défense satellitaire, intersatellitaire, antisatellitaire, mais aussi avec la disposition de personnel qui serait basé autour de la planète et qui aurait le moyen de se déplacer autrement plus rapidement que ce qu'on a l'habitude de le voir ici sur Terre. Mais c'est normal parce qu'on nous maintient dans le Moyen-Âge du diesel. Donc, l'étape suivante dont parlait le docteur Carole Rosine, ce serait l'invasion extraterrestre, l'attaque extraterrestre. Alors, question, enfin, argument du côté de la question. On n'a pas encore bien vu cette ambiance de danger astéroïde. Réponse, ah, de toute façon, ils ne connaissent même pas la différence officiellement qu'il y a entre une comète et un astéroïde. Hein, en cas, effectivement, pour eux, les comètes, c'est des boules de glace sale. C'est du n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. La NASA, c'est n'importe quoi. N'oubliez pas, hein, never a straight answer. Jamais une réponse franche. Ils ne nous ont pas menti un petit peu de temps en temps. Ils nous ont menti beaucoup et surtout. Et surtout à tous les niveaux. Le peuple n'a aucun niveau scientifique. Aucun. On peut lui faire croire n'importe quoi. Il le gobe. On lui dit que le fluor, c'est bon pour les dents. Et il s'en tartine la bouche. Et on oblige les enfants en bas âge à se badigeonner les gencives et autres muqueuses buccales de ce produit qui brûle. On le sent brûler. Alors évidemment, on camoufle ça avec du frais, mais ça brûle. Et au moment des stars d'Hollywood, à qui tout semble sourire, comme argument de, pour vous brosser les dents, par le biais d'un acteur qui porte une blouse. En fait, ce que vous avez là, c'est le monde actuel qu'on vive à tous les niveaux. Politique, etc., etc., scientifique. Vous avez des gens à qui on décerne des prix. Et qui décerne les prix, c'est un club de ripoux qui sont toujours les mêmes depuis le début. Un club qui possède plus de membres qu'il n'est officiellement déclaré. Il y a d'autres moyens d'orienter la pensée générale des scientifiques et du public vers un seul but, mais pour l'instant, il n'y a même pas eu besoin de s'en servir.
question, ben, on sait plus ou moins qu'ils se moquent de nous quand ils nous ont dit qu'ils avaient été sur la Lune, par exemple. Tout ce qu'ils nous ont dit, alors qu'aujourd'hui, sur leur propre site web, ils admettent avoir des problèmes à passer la ceinture de Van Allen. Et maintenant, le pire, c'est qu'ils nous disent qu'ils ont perdu la technologie dont ils s'étaient servis dans les années 60. En quart, ils ont aussi perdu le film qui témoignait de la plus grande avancée scientifique humaine depuis des milliers d'années, quelque part, hein. Décoller de la planète, aller sur la Lune. Ils ont perdu le film. Bah, il me l'avait laissé à mettre dans un coin, je l'ai rangé, mais vraiment, je n'arrive plus à mettre la main dessus. Mais enfin, perso, moi, je m'en fous, parce qu'eux, ils ont perdu la technologie, le savoir-faire pour y aller sur la Lune. Vous le croyez, ça? Non, mais vous vous rendez compte? Ça veut dire quoi? Les scientifiques sont morts, ils n'étaient pas suivis, il n'y avait pas d'équipe. Ça veut dire quoi? Ils parlaient une autre langue, on ne la comprend plus. Ouh, peuple de la Terre. La NASA vous dit qu'elle ne sait plus comment elle a fait pour aller sur la Lune. Mais c'est le cinquantenaire. Non, je pense pas. Finalement, je pense pas, moi. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, on continue. Réponse de James Horak. Vous savez, Stanley Kubrick a produit toutes ces images et il en a donné toutes les preuves nécessaires dans ses films Eyes Wide Shut et dans The Shining. Et en plus, dans Eyes Wide Shut, il a dénoncé certaines des pratiques diabolique de l'élite. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils l'ont tué. Réponse? Oui, c'est hallucinant, mais quand vous approchez tellement de la vérité, vous commencez à avoir des problèmes. Mais le bon côté, c'est que tellement de ces choses ont été révélées que nous avons maintenant quelques possibilités de comprendre. Nous réalisons que le monde est dirigé par une élite pédophile satanique. Idiots et psychopathes. Ils ont eu le pouvoir parce qu'ils s'auto-soutiennent les uns les autres. Ils ont plus ou moins le même agenda. Ils ont la même prétention agressive, cupidité, pour un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Mais ils ont réussi, au gré du temps, à se placer sur toutes les positions de pouvoir. Oui, c'est vrai. Et j'ai mis sur mon mur Facebook dernièrement, nous dit James, que si vous êtes un psychopathe et que vous ayez la possibilité d'être en contrôle de quelque chose ici sur Terre, est-ce que vous lâcherez l'affaire? Ben non. Ce qui amène les gens à penser qu'on a besoin d'une régulation, et ce n'est pas le cas. Nous avons besoin d'un ensemble de lois valables pour tout le monde. Ça résoudrait bien les problèmes. Oui, nous voyons bien qu'il y a deux systèmes de lois, deux vitesses à cette société. Il y a les contrôleurs et les autres. Eux se permettent énormément de crimes dans tous les genres et s'en sortent toujours. Il nous faut absolument détruire ce système de classe. Which are the front people are wholly owned subsidiaries of banks and corporations and other entities that have money. And indeed, yeah, and we have there's no shortage of people who are willing to go in those positions and carry out whatever they're told as long as they make that cash register ring. And it's sad, really, and it's a reflection of our society, unfortunately, that we have so many people without a moral compass that are willing to, step up and lie to the people and say, oh, we're here to serve the people. And in fact, it's just the opposite. They're there to serve themselves and the agenda of these globalist psychopaths. Well, that's very true. And, there is every difference in the world between any of those 12 leading contenders for the nomination in the Democrat Party for 2020. Excusez-moi, donc j'étais en train de bugger. Et il est bien dommage qu'il n'y ait pas de restriction, de manque dans la population des gens qui s'apprêtent à se plier à ce genre de système. Et c'est là qu'il faut parler de Trump qui, lui, a une mission. Et sa mission, ce n'est pas le pouvoir. Lui, on ne peut pas vraiment l'acheter parce qu'il a déjà l'argent. En cas, il a l'argent, mais il semblerait que Trump fasse partie d'une secte juive qu'on appelle les Chabad,
et qui sont des sionistes nazis. Ça pourrait expliquer deux, trois aspects de notre histoire récente, ainsi que le soutien par un certain complexe militaro-industriel. Je ne sais pas, hein, c'est une élucubration personnelle. Toutefois, pour l'instant, en tout cas, ils luttent contre une autre secte qui est, elle, ouvertement sataniste et à laquelle font partie, de laquelle font partie, ou à laquelle font partie, oui, à peu près toutes les dernières stars qu'on connaît de notre PAF, paysage audiovisuel français. VF hein, et américain, hein, puisqu'on est impacté de toute façon, que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des séries, que ce soit au niveau. Tout ça est fortement toujours imprégné d'occulte et très souvent les séries, les clips. Et plus ne sont en fait que des. Comment on va dire ? Des moyens d'alpaguer le public et d'incorporer leur énergie dans une égrégore qui nourrit l'intention édictée par la personne qui dit en général vraiment n'importe quoi, d'ailleurs, en plus, pour le bonheur de l'humanité, puisque au-delà du fait qu'elle mente, on voit bien que si l'on reconnaît l'arbre à ses fruits, tout ce qu'ils ont fait n'a amené que horreur, désespoir, compromission, enfin bon, l'enfer. Et je parle là du clan Clinton, Obama, Bush, et de tous ceux qui les soutiennent, les ont soutenus, et continuent d'essayer de le faire, parce que ce n'est pas en 4 ans que Trump va déraciner tout ce qui a été mis en place depuis une trentaine d'années, voire plus, par l'autre côté de la cabale. Pour l'instant, la lutte que mène Trump nous soulage. Donc, il faut voir ça sous cet angle-là. Mais bon, il ne nous parle pas d'antigravité, il ne nous parle pas de la médecine universelle, des réalités de Big Pharma, de la finance internationale. Peut-être que ça viendra, hein. Peut-être qu'il ne veut pas prendre le risque de faire le JFK 2019 avant de se faire réélire, une fois qu'il aura bien purgé un petit peu tous les systèmes. Moi, ce que j'espère, c'est que ces Pizzagate and Co. et le reste vont passer l'Atlantique et illuminer en Europe tous leurs relais à tous les niveaux et peut-être même pas qu'en Europe et que ça pourrait déclencher mondialement parlant une légère vague d'éveil similaire à celle que Car War, le moindre gilet jaune. Il y a un truc qui cloche. Au minimum, il y a un truc qui cloche et aussi on a un ennemi commun. À chaque fois, toujours le même. Après, qui c'est, tout ça, ben, c'est un peu tout le monde. Et c'est toujours sur notre dos, par contre. On est là confronté, dit Jimmy Brent, à des multimillionnaires qui se sont autopromulgués, se soutiennent. En plus des collusions avec la CIA et d'autres entités, des systèmes d'armes contre des drogues et de drogues contre des armes. Donc là, il faut absolument se référer à ce dont parlait Ronald Bernard, ex-banquier des Illuminati ou ex-banquier des 8000 plus grosses fortunes du monde, qui gérait quasiment des fonds au niveau du Vatican ou enfin des choses dans le genre, et donc était au courant de tout. De tout ce qui se passe en dessous de table, de façon à ne pas pouvoir faire d'erreur dans son travail financier, puisque
puisqu'il devait gérer les fonds de ces entités les unes par rapport aux autres, et qui a admis avoir été à un moment donné confronté à des réunions dans lesquelles on lui a demandé de faire des sacrifices humains d'enfants, chose à laquelle jusqu'à présent il n'avait pas été confronté et qu'il a refusé, qu'ils l'ont même fait redescendre du petit nuage sur lequel il était, d'euphorie glacée dans laquelle il supportait de voir se comporter sous ses yeux toute cette société dans une débauche exacerbée, mais qui n'avait jusqu'à présent pas été au point du sacrifice humain sanguin. A priori. Ronald Bernard, vous trouvez ça sur la chaîne d'Alexandre Le Breton ou aussi d'autres chaînes. Ex-banquier des Illuminati, c'est une interview en hollandais à la base, sous-titré en anglais très souvent et des fois traduit. Alors, ce qu'il faut savoir pour Ronald Bernard, c'est que non seulement il a fait son coming out, il est sorti de la société en question, de trader des finances occultes, on va dire. Et non seulement il a dénoncé le système, mais il s'est débrouillé pour rester vivant parce qu'il a dénoncé aucun nom. C'est la raison qu'il donne en général, d'une part. Et d'autre part, il entretient des groupes de réflexion, d'études et de recherche tout autour du protocole des sages de Sion, qu'il vous faut absolument étudier pour constater que tout ce que l'on vit aujourd'hui est prémédité de longue date. Oui, parce que j'ai jamais vu un fake qui soit aussi précis quant à ce qui se passe de nos jours, au niveau des empoisonnements et du foutage de gueule quant aux soins des empoisonnements par un autre empoisonnement, l'empoisonnement à tous les niveaux, que ce soit les idées, la spiritualité, mais les habits, la bouffe, la respiration, ben, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, et j'ai peut-être oublié quelque chose, ben, sûrement la radioactivité, les Wi-Fi par exemple. Et je ne vous parle pas des entités des mondes parallèles, parce que ce n'est même pas la peine, avec déjà tout ce qui se passe là, de rajouter ça. Mais il y a aussi ça, qui vient nous donner des mauvaises idées, entretenir des réactions qui dépassent les bornes, des débordements d'énergie, des intentions inutiles et néfastes, qui ne font de toute façon que les nourrir, ces entités qui sont des genres de vampires énergétiques, qui se gavent de tous nos déboires, globalement déboires, hein, je suis gentil, mais à tous les niveaux, quoi. Toutes les souffrances, toutes les douleurs, tout, ils se gavent de ça. James nous rappelle qu'on est dans un monde de politiciens qui sont corrompus, qui ne cèdent jamais à l'appât de millions de dollars. Ils bâtissent des hôtels et ils additionnent des membres douteux à leurs économies. Oui, ils blanchissent l'argent de la drogue. Enfin bon. En fait, il y a un système inhérent à la finance, haute finance, qui bloque les gens dans leur possibilité de réaction et de rétractation. Et ils sont capables de faire des montages suffisamment crédibles pour vous dire, ben, tu peux dénoncer le fait que jamais tu as touché à une petite. Nous, on a des images grâce à une technologie qui aujourd'hui dépasse absolument tout ce qu'on peut imaginer de crédible pour faire confiance à discerner un ovni d'un autre, par exemple, hein, pour les ovnis. Donc, je suis très content de m'être intéressé à la chose avant que la technologie n'accède au niveau d'aujourd'hui. Et d'autre part, je vous rappelle qu'on ne se fie pas uniquement à des images pour en déduire tout ce qu'on raconte là. Il y a de multiples sources. Donc, il parle un petit peu, et puis la question devient, j'apprécie la manière dont se comporte Trump actuellement. Toutefois, il y a une gêne vis-à-vis de ses liens rapprochés avec Israël, où il semblerait qu'Israël puisse faire ce qu'il veut alors qu'il se comporte comme génocidaire du peuple palestinien. James répond, il y a même quelque chose de pire que le ghetto de Gaza. Ils sont en train de remanier la manière dont est né le sionisme.
Et donc là, on parle du protocole, justement, du protocole des sages de Sion. Il nous parle aussi de la différence entre la Torah et du Talmud, le Talmud étant diabolique. Le fait que si vous n'êtes pas la bonne qualité de juif, vous serez assassiné. La notion de Goïm, c'est la chose la plus animalière jamais écrite. Il y a David Icke qui vient de sortir un nouveau livre appelé Triggered en anglais, ce qui pourrait être traduit par déclenché, hein, déclenché par la gâchette. Donc, oui, déclenché, on va dire. Dans lequel il dénonce l'usage du peuple juif. Il nous parle des sabbatéens qui se servent des autres et qui suivent ce système de croyance satanique sabbatéen qui leur permet de croire que tout est bon pour amener ce pouvoir globaliste mondial, nouvel ordre mondial. Réponse, eh bien, si vous voulez être réellement historiquement correct, vous devez être confronté au fait que toutes ces religions ont des aspects de racisme génétique. Je reprends. Que toutes ces religions sont des croyances basées sur des croyances ethniques racistes qui émanent de mythes. Regardez les Mormons aujourd'hui. Ils basent leurs croyances sur le mythe le plus absurde. Et comme c'est historiquement assez récent, nous l'avons tel quel. Et même la série de dessins animés South Park en a fait un gag. Il n'y a rien de basé sur une quelconque réalité du tout. J'apprécie dans la doctrine chrétienne le fait qu'il y ait les 10 commandements contre lesquels je n'ai absolument rien. Et les évangiles qui sont censés retranscrire ce que le Christ est censé avoir dit et contre lesquels non plus James n'a rien à redire. Mais si vous prenez le Talmud, si vous prenez le Coran, là, j'ai des trucs contre. Ils sont déjà contradictoires et auto-contradictoires. Et je ne dis pas que la Bible n'a pas été rééditée, qu'elle n'a pas limité les écrits apocryphes aujourd'hui, qu'elle n'est pas encore sujette à de nombreuses disputes. Mais vous savez, les catholiques ont eu, par le biais de leur Église, le monopole à son sujet depuis les 700 dernières années. En cas, effectivement, ce n'est pas les seuls à avoir le droit de parler de ce qui s'est passé à l'époque, quand on y pense. Là, eux, les catholiques, vous obligent à vous comparer à un hérétique dès que vous commencez à étudier ce que vous êtes en train de professer. Du côté de la question, oui, toutes ces religions sont des boîtes mentales. Les principes chrétiens, les 10 commandements, bon, tiennent debout. Et il est bien clair que si vraiment on les appliquait, on serait dans une meilleure situation mondiale. Mais nous avons tellement de gens qui n'en ont aucun intérêt, qui sont vraiment qu'au service d'eux-mêmes et du pouvoir et du contrôle. STS, service to self, au service d'eux-mêmes, contre STO, rien à voir avec la guerre, service to other, c'est-à-dire au service d'autrui. Et donc, il s'avère qu'on est vraiment dans une guerre contre ces gens-là. C'est une bataille spirituelle. Mais on voit que c'est aussi une bataille très physique, car on constate comment ils nous empoisonnent. Ils empoisonnent notre alimentation, notre eau, notre air, avec ces chemtrails. Ils font toutes ces choses juste sous nos yeux. Mais l'humanité est tellement distraite par ce théâtre politique, par la princesse qui accouche, par un false flag, je rajouterais. Et toutes ces distractions, ces jeux, ces computers, ces gains factices, qu'elle en est au stade où elle ne voit rien de ce qui se passe, cette humanité. Réponse de James. Vous pouvez constater dans de nombreuses séries télévisées, des films, qu'il y a une sorte d'ambiance eugéniste. Et vous pouvez voir à quel point c'est poussé, tout ce qui pourrait amener à déshumaniser. Ils ont été capables de meurtre, de mentir,
Ils ont détruit leurs professeurs, ils ont détruit les équipes d'enquête, et tout ça à base de fraude préméditée. Ce que j'ai pu constater à l'ouest de l'État de Californie, je n'ai pas bien compris, mais a priori, ils dénoncent le fait que les politiques sont soumis à ce qu'on leur demande de faire. Donc, vous n'avez plus de moralité, vous n'avez plus de service. Question. Oui, il s'avère que tout le monde soit un peu des victimes aujourd'hui. Cet agenda globaliste met la pression sur tout le monde et rejoint cette idéologie qui est promulguée dans les universités d'aujourd'hui. Il semblerait que l'humain soit très sensible au contrôle mental et à la programmation. Vous savez, tout ça a commencé avec McCarthy et sa chasse aux sorcières vis-à-vis des communistes. Et rappelez-vous comme il nous fait tous sentir coupables pour l'action d'un seul qui avait soi-disant vendu les secrets de la bombe atomique aux Soviets. Oui, en fait, en clair, des agences qui sont nées à cette époque-là sont passées en souterrain et ont continué à agir jusqu'à de nos jours, amenées à ce contrôle centralisé et amener les gens à tous vouloir des choses gratuites. Éducation gratuite, etc., tout gratuit. Ce qui ne serait pas une mauvaise chose si nous n'avions pas ces vampires de psychopathes qui contrôlaient tout le déroulement des choses et dont l'agenda n'est pas du tout d'aider l'humanité. Leur agenda est de consolider leur base tout en se gavant eux-mêmes. Donc, en virant toute cette pourriture, c'est moi qui dis pourriture, en les amalgamant avec ce système globaliste de contrôle malsain, c'est aussi moi qui arrange la traduction là, où vous avez ce petit groupe de personnes qui règnent sur toutes les décisions et qui ne vous proposent que des soins de santé qui altèrent votre ADN et vous suggèrent des vaccinations forcées qui vont vous détruire le système immunitaire. Oui, il faut bien se rendre compte que la situation est très mauvaise, très triste et très frustrante. Parce qu'on peut constater toutes ces choses qui se déroulent juste sous nos yeux. Et le fait qu'ils aient même programmé le peuple à un soutien de leurs activités. Bon, maintenant, on passe à une partie de l'interview où certaines questions sont posées, comme ça, de la part du public. Il y a une question à propos de Microsoft. Eh bien, il y a eu une poursuite du département DOD, Department of, je ne sais pas quoi, qui a donc issu une poursuite judiciaire contre Bill Gates. Donc, c'était dans les journaux et tout le monde se sentait concerné parce que ça allait intéresser énormément de gens. Et soudainement, cette poursuite a disparu. Et ensuite, même pas dans l'espace d'une année, l'Allemagne a eu tout son système opératif d'ordinateur qui tournait sur Microsoft, qui ont été donc retournés et ont envoyé leurs données à la base, aux États-Unis donc. Et tout le monde a plus ou moins remarqué qu'on avait des backdoors dans nos systèmes qui permettait donc à la CIA de nous espionner. En cas, donc, Merkel, quand on lui a fait remarquer que son téléphone portable était espionné, elle a dit « c'est pas grave ». Clinton, lorsqu'on lui a fait remarquer que son système de téléphone était espionné par les Chinois, je ne sais plus ce qu'elle a pu répondre, mais toujours qu'il s'avère qu'en fait c'est elle qui a vendu l'accès à son système de communication aux Chinois. Donc il parle et il conclut dans le fait qu'effectivement il y a souvent des backdoors aux systèmes informatiques qui sont vendus aux autres pays de façon à pouvoir les espionner.
En plus, on a nos cell phones, nos téléphones cellulaires qui nous enregistrent et nous traquent 24 heures sur 24, quoi que l'on fasse. Bien, parlons un peu de la 5G. Vraiment, ils promeuvent ce système. On dirait que c'est le dernier clou dans le cercueil pour établir le nouvel ordre mondial. Un contrôle complet sur l'humanité. Une dominance à tous les niveaux des humains. Avec un contrôle qui pourrait englober le contrôle du temps, de la météo et d'autres choses. Ce dont je sais de la 5G, nous pose Jimmy Brent, est un côté absolument dommageable à la vie biologique. Oui, les radiations des micro-ondes, ça peut avoir un effet sur le contrôle de l'attitude, du comportement, ça peut tuer. C'est 10 fois pire que ce à travers de quoi on est passé dans les années 60, alors que les Soviétiques étaient en train de griller notre ambassade à Moscou avec des micro-ondes. Alors évidemment, on en a fait un scandale, mais on s'est dépêché d'en faire autant. Bon, vous avez entendu parler des armes psychotroniques. Il y a déjà quelques années, vous pouviez trouver des armes telles que psychotroniques dans les catalogues, avec toutes les caractéristiques techniques, savoir ce qu'elles pouvaient faire, et même trouver les algorithmes en ligne. Vous voulez quelqu'un avoir un sale mal de crâne, ou qu'il ait une rupture de tel système digestif, pulmonaire, circulatoire, exécrant, rénal, que sais-je. Vous demandez, on connaît la fréquence qui correspond, c'est ça qui veut dire. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le réaliser avec ces ingénieurs. Là, je n'ai pas tout bien compris, mais il s'avérerait que des équipes d'opérations Black, de Black Ops, d'opérations secrètes, ont été utilisées pour prendre finalement possession des lieux ou des gens et produire assez de victimes jusqu'à ce qu'on en soit au stade où vous pouvez trouver le mot psychotronique partout en ligne sur le web. Réponse toujours de la part de James. Est-ce que vous êtes familier avec le reverse speech, c'est-à-dire l'étude des discours écoutés à l'envers? Ce qui nous a permis de déceler chez Obama, lorsqu'il disait « Yes, we can », l'inverse qui signifie « Thank you, Satan ». Oui, je sais, ce n'est pas le même rythme ni rien, mais ça fait un petit peu « Thank you, Satan » ou un truc dans le genre. Et donc, voilà, je vous le traduis en éclairci, quoi, en décrypté, mais ça s'entend bien. Faites-moi confiance, j'ai écouté ça. Et il n'y a pas que lui, hein. Il y a plein d'autres trucs qu'on peut trouver. En fait, le cerveau des gens dit la vérité, même s'ils mentent. Le cerveau des gens va émettre la parole des menteurs d'une telle manière qu'en fait, on sait que ce dont ils parlent à ce moment-là est faux ou pas. C'est magnifique. Notre conscience est plus pure que nos intentions. C'est magnifique. Bon, on reprend. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle David Oates, O-A-T-S, qui travaille beaucoup là-dessus. Et lui, il a été financé par le FBI. Lorsque le FBI a découvert que ce qu'il faisait allait un peu plus loin que juste découvrir des formules dans les chansons du rock, vous savez, si on diffuse effectivement certaines chansons rock, hard rock, psychédélique rock, des années du Diablo Canyon, qui correspondent à l'action de la CIA en opération secrète sur la jeunesse, avec diffusion de LSD et pas que, maîtrise des courants de la chanson, puisqu'en fait, les parents de pas mal de nos idoles du rock des années 70, appartenait aux services spéciaux de l'armée.
Jimmy Page, Jimi Hendrix. Ouais. La diva, là, aussi. Voilà. Et en fait, c'était un plan d'essai de manipulation de la jeunesse. Par contrôle mental, déjà, mais par le biais des drogues, entre autres. Mais aussi soutenu par les textes, hein, évidemment. Ah oui, c'est Janis Joplin. Hein. Ouais, Janis Joplin. Sans compter tous ceux qui ont avoué avoir vendu leur âme au diable. Hein. Voilà. Les débuts du rock'n'roll en croisant l'esprit de la musique à un carrefour particulier. Tout ça est explicable, on peut dire, si on s'intéresse au côté ésotérique des choses. Bon. Ouais, ben c'est pas gay, hein, je sais, oui. Je sais, c'est pas gay du tout. C'est la raison pour laquelle, en fait, on ne doit rien chanter dont on ne comprenne le sens profond des paroles. Ce qui est loin d'être le cas lorsqu'on chante des chansons anglaises alors qu'on n'a pas l'âge de comprendre ce que les Anglais ont voulu dire, notamment des Anglais qui, en général, sont affiliés à Aleister Crowley, par exemple. Je parle là des Beatles, mais pas que. En fait, tout le monde y a touché, les Stones. Et ils l'ont dit, une fois un ou l'autre, ou « Sympathy for the Devil », ou tant de choses. Tant de messages sont passés ici codés dans leurs chansons, dans leurs pochettes d'albums. Ça mérite le détour. Bon, on continue. Donc là, on est au reverse speech et à son analyse, et on a le subconscient qui corrige les mensonges. James continue en disant qu'une des meilleurs moyens d'approcher la conscience, la notion de reverse speech, c'est-à-dire de discours inversé, c'est la même approche qu'avec le dozing, c'est-à-dire en fait l'étalonnage énergétique des lieux, des choses, des gens, des intentions. Ce qu'on pratique en général avec un pendule, mais pas uniquement, hein, des baguettes ou à la main. Ou ça dépend. Tout ceci propose au subconscient une manière de communiquer au-delà des restrictions de l'esprit conscient, ce cerveau, je crois qu'on l'appelle le cerveau droit d'habitude, non, le cerveau gauche, le cerveau cartésien en tout cas, parce que cette partie du cerveau, la gauche donc, le conscient, est vraiment tétanisée par la notion de l'inconscient, parce qu'il n'a aucun contrôle dessus. En fait, votre subconscient n'aime pas du tout lorsque vous mentez, lorsque vous trichez, et il tâche de corriger ça immédiatement. Et vous avez une conscience partagée qui vous permet, vous avez une conscience partageable qui vous permet d'être hypnotisé, et ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, dit James Orac. Il ne faut pas, d'après lui, se laisser faire hypnotiser personnellement. Imaginez, vous prenez quelqu'un de raciste et qui n'aime pas des gens qui auraient un organe qui traîne le long du sol alors qu'il marche. Et il se débrouillerait pour faire entrer ça dans un système évolutionnaire jusqu'à ce qu'il pratique l'hypnose. Or, l'hypnose ne pourrait pas être possible si vous aviez une conscience unifiée, ce qui vous poserait aussi un accès à la conscience collective et aux mémoires génétiques. Or, il s'en produit de temps en temps et les gens apprennent toutes sortes de choses sur leur mémoire de leur vie passée, sur des choses qu'ils ne peuvent pas identifier quant à ce qu'elles sont réellement. Et vous mettez ça de côté, mais la conscience unifiée est là pour commander,
Donc, question, est-ce que vous pensez qu'on est normalement inapte à accéder à notre subconscient et que c'est quelque chose qui a été ingénieré génétiquement? Réponse, ça a été la conséquence du désir de vouloir garder votre esprit en orbite autour de la Terre. Vous savez, cette Lune qui est de la mauvaise taille, qui n'est pas à la bonne distance, ni de la Terre, ni de Mars, qui n'est pas composée de matière solide, qui possède des cavités pleines d'air, d'huile, d'eau, pas d'air en fait, d'huile et d'eau, et qui est tout à fait adaptée à créer des esprits imparfaits, c'est Mars. Excusez-moi, je traduis mot à mot et je ne comprends pas tout. Donc, il y a besoin de faire intervenir des ajustements de manière à garder une orbite autour de la Terre. Donc, je pense qu'il parle de la Lune, hein, pas de Mars. Donc, il y a des ajustements qui sont réalisés. Dernièrement, il y a des gens qui ont été capables de détecter ces ondes gravitationnelles parcourant la Lune et qu'on pourrait voir parcourir aussi la surface de la Terre s'il n'y avait pas tant d'obstacles à cette vision. Et c'est nécessaire. Il y a des machines sur la Lune et des machines sur Terre qui travaillent ensemble afin de maintenir la Lune en position. Mais cette Lune est arrivée dans le système il y a 300 000 ans. Non, 360, ah, il faut que je revoie. Il y a 360 000 ans, la Lune a commencé à faire partie de notre système, semblerait-il, d'après James Orrack. Et d'abord, nous étions situés sur Mars, et après 15 000 ans, vous êtes intéressé à la Terre ici. Moi, je vois tout ça comme si j'étais un outsider. Donc, je n'ai pas une opinion particulièrement caressante vis-à-vis de ce qui se passe. Il est strict, quoi. Il est pas partial parce qu'il est participant au système, d'après ce qu'il dit. Donc là, James veut parler de quelque chose qui risquerait d'offenser l'auditorat. Pardon. Ce dont se défend Jimmy Brent, en disant que son auditorat est là pour apprendre la vérité et non pas faire des simagrées égotiques. Donc, même si quelqu'un n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'on dit, ne devrait pas nous empêcher d'avoir la possibilité de nous intéresser à la situation, vu sous cet angle-là, et surtout de vérifier si c'est quelqu'un debout ou pas. Et il semblerait bien que la Lune soit l'émanation d'une technologie d'une quelconque sorte. Elle ne semble pas avoir des attributs naturels. Beaucoup de gens ont constaté qu'elle émettait sa propre lumière, qu'elle n'était pas en train de refléter celle du soleil en quart. Il semblerait même d'ailleurs que la lumière de la Lune soit froide. C'est-à-dire qu'en fait, si lors d'une nuit de pleine Lune, vous avez un thermomètre laser et que vous prenez la température sur un endroit qui est éclairé par la lumière lunaire, vous allez avoir une donnée qui va être inférieure à celle que vous aurez en fixant un endroit qui est à l'ombre, qui dessine l'ombre, une ombre dans la lumière lunaire. L'ombre, dans l'ombre de la lumière de la Lune, il fait plus chaud qu'éclairé par la Lune. C'est assez intéressant. En fait, il est aussi dit qu'il y en a plus, le soleil reflèterait plutôt une énergie féminine et la lune masculine. Mais bon, c'est encore un autre sujet un petit peu parallèle, celui-là, dernier. De toute façon, si vous regardez les angles de réflexion de la lumière en provenant du soleil, vous réalisez immédiatement que ça ne peut pas être celle-là qui vous illumine. Réponse de James, il y a un certain nombre d'anomalies en relation avec la Lune et dont certaines ont été notées par certains astronomes depuis au moins 300 ans. Et on les appelle les phénomènes lunaires transients, intermittents.
Et en 1938, certains d'entre eux ont été classifiés, vous pourriez trouver ça. En même temps que le Grand Canal sur Mars disparaissait. Oui, vous savez, il y a une époque où il y a eu une carte de Mars dressée avec des canaux, qu'ils voyaient verts d'ailleurs. Et de toute manière, à cette époque-ci, ce phénomène de lumière intermittente lunaire a été classifié. N'est-ce pas intéressant? Vous savez, la raison pour laquelle l'histoire de H.G. Wells a été vendue à la radio et a horrifié tout le monde, la manière dont on l'avait rendue vivante, ce journaliste à propos de l'invasion depuis Mars, c'est que les gens étaient au courant qu'il y avait ces canaux qui étaient nourris depuis des sortes de pôles, depuis le sud et le nord de Mars. Et vers les années 1938, ces canaux verts se sont asséchés. Dites-nous ce qu'étaient ces canaux. Réponse, c'était des canaux. Ils avaient été creusés en quart. Les images qu'on a de Mars d'aujourd'hui ne prédisposent pas du tout à cette interprétation-là. Hein. Alors, est-ce qu'ils nous font vis-à-vis de Mars la même reproduction d'un hologramme qui envoie l'image que Mars renvoyait il y a des dizaines, centaines d'années? Et qu'en fait, il se passe tout à fait autre chose dessous, ainsi qu'une des sondes de l'ESA, ESA, l'Agence spatiale européenne, avait donné d'une vallée où on pouvait constater des pixelisations qui n'étaient pas du tout en rapport avec l'illustration du terrain, mais plutôt l'illustration de bâtiments sur le terrain. C'est des pixels trop réguliers pour nous faire ignorer la possibilité que ça décrivait le plan d'une ville vue de dessus. Avec les rues, hein, ce coup-ci. Pas la version de la ville Maya où les bâtiments sont juxtaposés. Ce qu'on pourrait imaginer, si ces bâtiments en fait sont juxtaposés au niveau des étages supérieurs, et qu'en fait les liaisons entre les bâtiments et les rues sont souterrains, sous-marins, enfin sous-martiens, on va dire. Et ce que la NASA a pu dire n'était pas vrai. Et il y avait des projets en rapport avec le métal nécessaire pour protéger lors du passage de la ceinture de Van Allen, des choses qui ont été tentées en 2007 avec une idée de mission humaine sur Mars avec une base sur Phobos. Mais Phobos est aussi une anomalie extrême. A priori, il est creux, il est fait de métal, et ce n'est pas une lune non plus. C'est un satellite artificiel. Oui, mais il l'appelle une lune. Oui, bon, il l'appelle une lune, tout comme ils appellent une lune. Des lunes migratoires ont-ils appelé les EMV alors qu'ils se déplaçaient dans l'atmosphère de Saturne? En fait, une lune migratoire, c'est par définition quelque chose qui n'existe pas. Oui, il nous faut arrêter de penser à croire à tout ce que la NASA nous balance comme propagande. Ils rendent le public aussi confus que possible. Et d'ailleurs, si vous regardez leur propre image de la Terre, pas une d'entre elles n'est fiable. Pas une d'entre elles n'a les mêmes proportions pour les continents. Nous n'avons jamais vraiment eu une vraie image de la Terre prise depuis l'extérieur. Oh, j'ai donné quelques directions pour ceux qui s'y intéressent, mais personne n'y va. Peut-être qu'ils pensent que je suis effrayant ou ce dont je parle est effrayant, mais dans l'Utah, à 80 miles, 40 miles autour de Moab, c'est pas très loin de Great Junction, mais pour accéder à là où je vais, il vous faut traverser le désert. Ça vous prend bien 4 heures en véhicule.
Et là, donc, James raconte une histoire à laquelle je n'ai pas tout compris, mais qui fait référence à ses habiletés de prospecteur géologique. Donc, il a des affinités de géologue. Il nous parle d'une région particulière du Colorado, propre à attacher notre attention, à attirer notre attention. Il y a des gens qui cherchent de l'or et qui pensent que cet or descend du Colorado, mais ça n'est pas le cas. Il provient d'ailleurs, par le biais de la Dolores, qui semble être une rivière. Dolores. Et bon, ça ne nous regarde pas vraiment, mais bon, s'il y a des prospecteurs qui s'intéressent à aller chercher de l'or là-bas, qui ne s'intéressent pas tellement au nombre de tonnages qu'ils vont pouvoir extraire par jour, mais plutôt à la manière dont leur matériel pourra tenir le choc jusqu'à ce qu'ils atteignent les couches d'or fin. Dans le Colorado, là-haut. Là. Comment est-ce qu'on change le cours d'eau sur Mars? On le change en changeant la densité du cours. Non, je n'ai pas tout compris. Bon, il reprend sur un autre sujet. Ce qu'il concerne essentiellement aujourd'hui, c'est donc l'éducation de la jeunesse. Au moins une semblable à celle que nous avons eue, lui, Jimmy Brent, les vieux de la vieille, qui s'intéressent à ça. Donc tout ça nous a été dénié maintenant pour la jeunesse d'aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui le concerne, contre lequel il combat. James est prêt à donner des trucs d'orpailleur pour raffiner le matériel à partir de vibrations. Pour ceux que ça intéresse, parce que son but, c'est plutôt que les gens soient indépendants et puissent échapper au système. Il vous faut trouver les endroits où les Espagnols travaillaient, où les Indiens travaillaient. Vous seriez surpris, il y a des puits de gisements, on va dire, des gisements partout. Et si vous arrivez à ressentir les vibrations différentielles entre deux tables de sédimentation, je pense, qui sous-entend le mot sédimentation, les courants d'eau à leur travers, qui les traversent, leurs angles d'incidence. Si vous arrivez à gérer toutes ces informations, vous allez commencer à trouver de l'or. Il suggère à toutes les nations de se libérer du FMI. Ce qui s'est passé dans les années 1930 comme vente de la finance américaine à un groupe de financiers privés, de banquiers, qui se gavent sur nous depuis. Je ne sais pas si ça a un rapport avec l'accord de Lille. Ah, elle a un nom terrible. Un petit peu avant ou un petit peu après que le Titanic, oui, un petit peu après que le Titanic se soit coulé, alors qu'il y avait à son bord tous les banquiers qui ne voulaient pas justement soutenir la création de la banque fédérale américaine. Donc sur cette île, c'est l'île du docteur Jekyll, hein, je crois. Jekyll Island, voilà, c'est ça plutôt. A été établie la possibilité pour l'IRS, c'est-à-dire un impôt américain, un impôt sur le revenu, qui est complètement illégal, illégitime, mais il a été légiféré à cette époque-là, 1930, il me semble que c'est sur Jekyll Island, par ces banquiers qui sont des banksters, qui se foutent de nous, qui nous parasitent le monde, la vie, et nous gèrent en plus, ils se permettent ça, entre autres, hein, entre autres. Il faut bien concevoir que c'est un système inutile, qui n'est juste là que pour le contrôle sur nous, par des gens qui sont illégitimes. Nous n'avons pas besoin de la réserve fédérale, et si les gouvernements devaient être mêlés à cette affaire, tout devrait être complètement transparent. Et nous devrions pouvoir contrôler là où va l'argent. Aujourd'hui, on n'en a aucune idée.
il y a des trillions de dollars manquants. Un trillion, c'est 1 000 milliards. 1 000 milliards. Quelqu'un qui vous pique un trillion de dollars ou d'euros et qui vous paye une amende en milliards gagne amplement de quoi continuer sans remords. Et vous volez 100 francs et on vous fait payer une amende d'un franc, même moins, 10 centimes. Bon, oui, oh, je regrette, je paye mon amende. Je vous laisse imaginer qu'est-ce que des trillions de dollars auraient pu réaliser sur la Terre pour les peuples. Or, tout ça est parti dans des groupes obscurs, des banques, des corporations, qui ne font que l'utiliser pour leur propre bénéfice. On est si loin de ce que désiraient les pères fondateurs pour ce pays, en quart. Malheureusement, je crains fort que les 10 pères fondateurs étaient tous francs-maçons, membres de loges absolument occultes aux mœurs horribles, et qu'il y ait déjà dans ce désir de création de la nouvelle, soi-disant Atlantide, qu'un désir de perpétuation du pouvoir par les fils de Bélial qui s'étaient donnés à la science sans mesure, à la génétique sans mesure, et qui avaient finalement précipité la chute d'Atlantis. En tout cas, la raison pour laquelle, s'il y a des gardiens autour de la planète, ceux-ci ne se sont pas interposés à l'arrivée d'astéroïdes sur la Terre qui ont fait tomber cette civilisation de manière rédhibitoire. Enfin, en trois fois, 80 000 ans, 40 000 ans, 12 000 ans, 10 000 ans, un truc dans le genre, avant Jésus-Christ. Enfin, c'est difficile à dire. Il s'avère quand même que notre système bancaire est complètement corrompu. Henry Ford disait dans les années 30 que si le peuple américain comprenait enfin le système, ils se rebelleraient dans la nuit. Comment est-ce qu'ils tiennent ce système, toujours en promouvant une soi-disant légitimité? Oui, il avait une face noire, mais il avait aussi une très bonne face. Il est allé en guerre contre toute une corporation pour lutter pour un salaire minimum au jour. Et donc, je pense qu'il parle de Ford là parce que ce personnage a fini par dire « Je veux que chacun de mes travailleurs puisse se payer une de mes voitures ». Qui a créé un boom incroyable. Ça a transformé une industrie après l'autre. Donc, là, il y a une question qui est posée, de la part du public, je suppose, qui dit pourquoi est-ce qu'on a enlevé tel appareil du marché qui permettait justement de faire aisément un rewind de ce qu'on venait d'enregistrer, donc de faire du reverse speech, quasiment en ligne directe, quoi, en temps immédiat. Il nous dit l'hémisphère gauche est capable de soutenir un discours de mensonge. En fait, ils l'ont retiré, ce système d'enregistrement avec le reverse, de façon à ce qu'on ne soit pas capable de détecter au fur et à mesure tous leurs mensonges. En quart, si vous voulez aujourd'hui trouver des appareils de détection des implants aussi, il n'y en a plus en fait, quel que soit le prix que vous émettiez. Vous n'allez quasiment plus en trouver sur le marché. Moralité, adjoignez-vous les services de quelqu'un qui s'y connaît bien en électronique. Et il faut savoir qu'à une certaine époque, les premiers téléphones portables, quand on les mettait sur le zéro, c'est-à-dire sur, on allume la ligne, quoi, avant de faire un numéro, et qu'on le passait, changeait de tonalité lorsqu'il passait à proximité d'un émetteur, hein, d'un implant. Oh, c'est des très vieux machins, là. Avec la petite antenne encore. La forme d'un écusson, une épaisseur de 2,5-3 cm. Je n'ai jamais été vraiment un spécialiste de la chose, alors excusez-moi. J'écoutais aujourd'hui un discours et c'était incroyable à quel point il était tordu, distordu, à quel point il y avait
des quotations, c'est-à-dire des citations de gens qui étaient reportés en étant déformés. Personne ne fait ça mieux que les démocrates. Et cette loi de la NDAA, qui est passée il y a quelque temps, qui rend légal pour des médias et pour le gouvernement d'utiliser la propagande et ne pas avoir de compte à rendre à ce sujet, ce qui leur donne une autorisation de mentir. En cas, on a aussi chez nous là une porte-parole du gouvernement qui est prête à mentir pour défendre les actions du gouvernement. Elle l'a d'ailleurs admis officiellement. Je suis prête à vous mentir pour vous transmettre ce qui se passe au gouvernement de façon à ce que vous en ayez une bonne opinion. Je crois que on va prendre la suivante là. C'est quoi cette affaire ? Le peuple français est maintenant prêt à écouter des mensonges quant à ce qui se passe réellement ? Mais jamais, personne n'est prêt à ça, et notamment pas le peuple français. Ah non. Alors, Madame Pyjama, au revoir. Ah, on me fait signe dans l'oreillette, c'est pas Madame Pyjama, c'est Madame Rideau de douche. Plastique. Oui, plastique. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, grâce à Internet, toutes ces opinions peuvent sortir, alors qu'à une époque, on n'en avait pas la possibilité. En cas, oui, on a cru l'espace d'un instant en France que les radios libres allaient nous permettre de nous exprimer. C'était le cas pendant 6 mois, je crois. Et puis très très vite, les médias groupes, les méga médias groupes, ont racheté à peu près toutes les radios libres et ont commencé à mettre le holà sur les musiques et sur les discours. Oui, je crois me rappeler de cette époque-là. C'était pas mal comme époque, on y croyait. Qu'est-ce qu'on s'est fait manipuler d'une manière excessivement sournoise, perfide ? Il y a eu un changement de... Enfin, une amélioration de l'ingénierie sociale en vous poussant à faire des choses qui, globalement, sont contre vous à la fin, mais pour lesquelles vous pensez agir pour le bien, sans vous rendre compte qu'elles vous nuisent. Vous savez, c'est... Vous poussez à mettre une taxe sur les émissions de CO2 avant que vous vous rendiez compte que chaque fois que vous respirez, vous êtes taxable du coup. Taxable pour l'émission d'un produit qui est nécessaire à la vie, le CO2. C'est la base de la vie, le CO2. Ce n'est pas l'oxygène, hein, c'est le CO2. Il veut les carbones, l'oxygène, c'est mieux déjà. Et tout ceci dans un milieu plein d'hydrogène ou d'hélium, hein, pour avoir de la H, car le H, c'est la brique énergétique universelle. Et la longueur d'onde de l'hydrogène est dans les valeurs qu'on peut observer dans la Grande Pyramide, à une certaine harmonique près, quoi. Enfin, il se passe des choses, c'est comme... une unité d'échange. Je suppose que ça a un rapport avec le sun gazing aussi. Mais bon, je ne veux pas m'avancer. Question plus tard. Dans le milieu de la communication, il y a longtemps que nous avons pu voir la mise en place d'agents de désinformation qui nous ont permis de constater qu'en fait, il existait quand même un mensonge à tous les niveaux, qu'il est très facile de manipuler les gens de manière à ce qu'ils pensent que leur attitude est tout à fait patriotique, qu'ils font quelque chose de bien pour l'humanité, alors que ce qu'ils font est en fait horrible. On peut persuader l'humain d'une telle manière. Il peut être complètement confus et ainsi être manipulé à faire des choses contre son gré, contre son bien-être. On peut voir la même chose chez les militaires
qui sont complètement chamboulés et à qui on fait croire qu'ils se battent pour la liberté de leur pays, alors qu'ils envahissent d'autres pays étrangers dans un but de colonisation. Votre opinion ? Ah, réponse de James. Ah, ben écoutez, j'aime vous entendre comme j'aime m'écouter. Les deux se font de la gueule. Vous savez, dans les années 90, je vous passe un petit passage. Dans les années 90, alors que je parlais sur un blog du crash d'Aurora, j'ai rapidement, par la suite, reçu un coup de téléphone de quelqu'un qui se disait de la CIA et qui voulait en savoir plus à propos de ce crash à Aurora. Aurora. A-U-R-O-R-A. Donc, il lui a dit OK, ils ont échangé des informations et il lui a demandé si à propos de l'Air Force Karlsborg, excusez-moi, d'où est-ce qu'elle avait reçu l'argent pour faire un tunnel en dessous du lac, pour se connecter à un bunker qui se place bien au-delà de Carswell et qui se connecte avec un tunnel qui va directement en Californie. Et ils ont répondu, il n'y a pas de problème, on va vous fournir ce renseignement. Et donc en 1978, il y avait des expropriations pour 68 milliards de dollars. Donc, je lui en ai dit plus à propos du crash d'Aurora, de ceux qui étaient venus, qui avaient pris les corps, qui les avaient amenés à telle station au lieu de les enterrer là où ils avaient dit qu'ils les avaient enterrés. Il y avait quelques E.T. et un IBI. E.T. extraterrestre. IBI, c'est EBE, c'est-à-dire Extraterrestrial Biological Entity, entité biologique extraterrestre. En général, c'est des gris, hein, ce genre de personnes, les EBE. En fait, on vous ment sur tous ces rapports. Je simplifie. Hein. Si vous voulez une vraie disclosure, allez au Brésil. Les ufologues brésiliens sont tellement en avance parce que déjà, ils ont bien étudié le phénomène à Colares. Colares est un village qui est sur une île dans l'Amazone, dans le delta de l'Amazone. Il y a eu une intervention d'E.T. de différentes cultures avec différents vaisseaux, différents ovnis qui ont pris des biopsies de tous les membres de ce village à Colares, y compris celui sur le docteur qui croyait que tout le monde était hystérique jusqu'au moment où ça lui est arrivé à elle aussi. Où elle s'est promenée un soir seule, il me semble que je dis elle parce qu'il me semble que c'est une femme, seule dans la nuit et où elle a été confrontée à des entités qui avaient un petit appareil sous leurs bras. Et comme il y avait un collectif d'E.T. en cause, ils voulaient savoir ce qui se passait là et s'ils pouvaient aider. Et malgré tout ce qui se passait, le gouvernement brésilien a envoyé un contingent militaire pour enquêter sur ce qui se passait. Et l'officier en charge a admis, 20 ans après les faits, qu'il avait eu des contacts avec un des E.T. Et en résultante, le gouvernement, les militaires brésiliens ont donné tous leurs dossiers ufologiques aux ufologues brésiliens. Ils ont fait la disclosure. Ils ont obéi au désir du peuple. Ah, ça fait plaisir, hein? Oui, il s'avère que ce soit à propos de Roswell ou d'autre chose, on nous a toujours menés en bateau. Combien d'espèces sont en interaction avec nous, d'après vous? Oh, ça varie. A priori, on peut en rajouter deux sur la liste aujourd'hui. Il faut se rendre compte que nous sommes sur la frange, sur la bordure d'une constellation de la Voie lactée. C'est une sorte de frontière et ils ont besoin de notre situation pour se transporter par le biais d'atténuation des ondes gravitationnelles peut-être, ce qui leur permet de traverser l'univers en un clin d'œil. S'il y a d'autres étoiles qui s'alignent, telles que j'appelle un arc-en-ciel solaire avec notre Soleil, ils peuvent voyager d'un clin d'œil, d'un côté à l'autre
l'univers. De millions d'années-lumière de distance en un clin d'œil. J'ai des images de la NASA, de vaisseaux passant par le biais du Soleil, si j'ai bien compris, et s'éloignant de la couronne solaire aussi vite qu'ils pouvaient, de façon à conserver leur énergie. Il y a beaucoup de déperditions d'énergie dans le but de se protéger de la chaleur solaire. Quelques autres questions de la part du chat, James, s'il vous plaît. Est-ce que James connaît les raisons pour lesquelles son âme l'a amené à intégrer un vaisseau humain américain, donc le corps d'un Américain? James s'explique un peu, enfin, à propos de celui qui pose la question, et puis admet que, en fait, nous sommes sur la voie d'une extinction. La seule manière d'y échapper, c'est de proposer une attitude avec un raisonnement sensible. Les choses ici sont compliquées et en plus complexifiées par la présence des EBE, des Ibis, des gris. Il faudra se rappeler qu'une conscience partagée telle que l'humain l'a est aussi une limitation, qu'il y a des données qui ont été trouvées dans les holder records, c'est-à-dire les salles d'enregistrement dont parlait Edgar Cayce, par exemple, sous le Sphinx, etc., qui ont été accédées et supprimées de la connaissance populaire. Donc on fera ce qu'on pourra, on ira jusqu'au bout, mais la mort de l'océan Pacifique, donc là il fait référence à Fukushima et aux déjections d'eau radioactive dans l'océan Pacifique, qui a tué la vie dans le Pacifique Nord, en tout cas, hein, ça, évidemment ça déborde dans le Sud, malgré la séparation équatoriale, qui n'est que momentanée en fait. D'ailleurs, il est il est hautement conseillé de ne pas consommer de poissons et de crustacés, de quoi que ce soit qui vienne de la mer, de toute cette côte ouest américaine et canadienne, les saumons, tout ça, là, c'est fini. Hein. Enfin, on vous suggère. Et de toute manière, dès que vous consommez des produits de la mer, consommez-les de manière quasiment panée dans la chlorella, qui va essayer de capter la majeure partie des métaux toxiques que vous allez absorber en même temps que votre petit plaisir. Que je conçois. On continue. Et ce qui reste dans l'océan Pacifique est très important. A priori, il y a des entités dans l'océan Pacifique qui, si elles quittent les lieux, vont laisser James sans argument pour nous défendre. Mais si vous survivez à ce qui se produit, enfin, je traduis un peu en diagonale, excusez-moi, vous allez être en situation de grandement nécessiter une aide pour toute la planète parce qu'elle va commencer à mourir d'ici peu de temps. Et il y a une question pour savoir si l'Angleterre aussi est en train de perdre tout pouvoir et de tomber sous un régime fasciste militaire de suppression du droit de l'expression et des libertés. Enfin, en clair, quoi. Le Brexit est une solution alternative à la banque centrale, nous dit James. L'idée a commencé lorsque les Chinois se sont rabattus sur les talons en or, mais avec l'action de Merkel, il y a cette idée de création d'une armée européenne qui commencera par une police collective. Tous les pays participeront en proposant une partie de leur police de façon à mater les révoltes, les dissidents ou tous les problèmes. On voit de bonnes intentions dans certains pays pour protéger leur intégrité, pour maintenir les mouvements de population, l'inflation, pour ajuster les monnaies au cours des valeurs, pétrole, etc.
Et quoi que ce soit qu'on tente, tout est à chaque fois détourné. L'Angleterre est un pays les pires pour la suppression du discours, de la liberté de discours. Oui, après la France, hein, je pense. Il vous faut vraiment vous débarrasser de cette monarchie. C'est quasiment une insulte à l'humanité. Il faut que vous sachiez que vous êtes sur une ligne temporelle secondaire, raison pour laquelle vous avez cette matrice. En réalité, ce que vous appelez une matrice, cette idée de secondaire, de timeline, de ligne temporelle secondaire, dans la ligne temporelle primaire, Napoléon a gagné à Waterloo. En cas, si vous vous rappelez, Waterloo, Waterloo, cette espèce de coup d'État par les banques qui ont fait penser aux Anglais que les Français avaient gagné, ce qui a fait tomber les valeurs, ce qui leur a permis de racheter toutes les valeurs au plus bas prix, et par la suite d'admettre la vérité comme quoi les Anglais avaient gagné, ce qui a redonné une valeur aux valeurs, qui avait été rachetée au plus bas prix, et ce qui a permis aux Rothschild de devenir la plus grosse fortune à laquelle, très rapidement, la royauté a dû emprunter de l'argent, ce qui a permis de dire que qu'importe qui a le pouvoir, tant que j'ai l'argent, vous faites ce que vous voulez, je mettrai la chose. Donc, on se rappelle aussi que normalement, Napoléon, lors d'une autopsie, a été découvert porteur, si ça se trouve, d'une puce RFID Motorola 2015, datée de 2015, hein. Si je me rappelle bien, d'après James Oracle en question, à propos de Napoléon, vous trouvez deux vidéos ou trois sur YouTube, une la nuit, enfin Napoléon et la nuit dans la Grande Pyramide, et une autre aussi, mais je crois que c'était une interview sur une radio. Enfin, toujours est-il. On aurait trouvé dans la tête de Napoléon, dans l'autopsie dernière, une puce Motorola qui a été subreceptiblement éclipsée de toutes les preuves, comme d'habitude, et ce qui aurait permis en fait de prendre le contrôle de l'état d'esprit de Napoléon, ce qui pourrait expliquer qu'on le dénote fortement confus lors de cette bataille. Ce qui pourrait expliquer beaucoup d'autres choses, notamment le fait que notre histoire soit traficotée par des interventions extérieures, par des gens qui font en sorte que les événements principaux, axiaux, cruciaux, ne se déroulent pas de telle manière que ça ne leur propose pas aujourd'hui des positions de pouvoir pour faire ce qu'ils veulent. C'est voyage dans le temps, hein. Je vous parle là de voyage dans le temps avec des gens qui n'ont rien à fiche du paradoxe du grand-père. Hein. Eux, ils transforment les lignes temporelles de façon à ce que aujourd'hui, par exemple, ce soit effectivement les Rothschild qui est, grâce à ce coup monstrueux en banque, entre autres, réussi à doubler leur fortune, si ce n'est plus, et à prendre le contrôle du destin de l'Europe. Sans compter que le début de leur fortune a souvent été acquis par des histoires de gangs, de pillages, de pirates. Hein. Les frères de la côte n'étant pour moi que l'équivalent des frères des terres. Et qui sont les frères des terres, si ce n'est les confrères des confréries. Bien, bien. Donc après, on a encore moins de problèmes à faire une liaison entre les Skull and Bones et le drapeau pirate, qui a un nom aussi. Je ne sais plus, comment on dit ? Holy Jumpy ou le, je ne sais plus. N'importe quoi. Le Bloody Jack. Je ne sais plus. En tout, toujours est-il, c'est un crâne et deux tibias croisés ou deux fémurs croisés ou un tibia, un fémur, suivant la confrérie en question.
C'est les frères de la côte. Dont peut-être le pirate Morgan qui a fait la fortune de la banque Morgan, mais j'en sais rien du tout. Il a gardé son nom, celui-là, par rapport aux autres. J'en sais rien du tout. Pourquoi pas? Mais j'en sais rien. Donc, James élabore un peu plus à propos de cette puce dans le crâne de Napoléon, qui faisait intervenir deux styles de voyageurs temporels. Ceux qui sont interférés lors de sa nuit dans la Grande Pyramide, qui savaient absolument quand le croiser, où le croiser. Et quand il est ressorti de la pyramide, il était différent. Rappelez-vous qu'il a dit à un soldat qui lui demandait ce qui s'était passé, il a dit « si je vous le disais, vous ne me croiriez pas ». Il est sorti d'Égypte, il s'est couronné empereur. Est-ce que ça vous semble quelqu'un qui était désireux de se débarrasser de la monarchie, de se débarrasser des jésuites du pays? Non, ça ressemble plutôt à quelqu'un qui veut rejoindre leur rang et continuer leur programme, nous dit Jimmy Brent. Cette puce n'existait pas à l'époque où j'ai sorti cette histoire. C'est une puce de quatrième génération Motorola, si j'ai bien traduit. Dites-moi, James, pour la fin de l'interview, quel genre de message est-ce que vous voudriez transmettre au public? Si le monde entier vous écoutait, vous diriez quoi? J'aimerais bien vous voir couronné de succès, devenir effectivement des enfants des étoiles, de continuer la voie de vos ancêtres. Question, est-ce que tout reviendrait constamment aux questions de lignes temporelles originelles? Ou est-ce qu'on continue à partir de l'endroit où on est? Des exceptions peuvent être réalisées. Il est possible de faire disparaître certaines lignes temporelles. Il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui peuvent intervenir de manière indépendante. Et tout ça influe beaucoup sur les lignes temporelles. Mais Napoléon, par exemple, est passé par ce biais-là et la monarchie a été supprimée, soi-disant. Et ça aurait aussi détruit la dynastie des Rothschild, banquiers. Bon, là, il continue en décrivant un peu effectivement la stratégie Rothschild vis-à-vis du trône d'Angleterre et du prêt d'argent au roi. Comment nous serait-il possible de rejoindre la bonne ligne temporelle? Ben, il vous suffit d'en rester éloigné. Vous ne voulez pas rejoindre ce mode de vie. Vous voulez survivre. Vous voulez vous manifester physiquement pleinement. Vous voulez maîtriser cette histoire de conscience partagée. Je suppose vraiment qu'il parle de cerveau gauche, cerveau droit. Toutes ces conditions vous créent en tant que tel. Il semble quand même qu'on soit dans un désavantage extrême ici. En effet, dit James. James nous concerne, enfin nous incite pour nous sortir de ce problème actuel. Déjà de protéger nos enfants des pédocriminels. Il faut absolument se débarrasser de ces cercles de pédophiles. Il faut les faire disparaître de la surface de la Terre. Oui, il est heureux de voir qu'il y a de plus en plus d'arrestations dans ces milieux. Oui, mais bon, c'est trop restreint pour l'instant, hein, c'est international. Vous en arrêtez dans un pays, les autres ils se mettent à l'abri dans les pays. Il n'y a pas de frontières pour les confréries, là. Ouais, j'y sais vite, hein, dans tous les pays du monde. Bon, on reprend. Il semblerait que les médias soient de manière coupable, de manière également coupable par rapport à ces pédocriminels. Parce qu'à chaque fois que des sujets sur le Pizzagate sont sortis, ils ont toujours étouffé la chose. Lorsqu'il y avait des dossiers sur l'île Jersey Island, étouffés, ils ont toujours fait passer les accusations pour exagérer. Donc en fait, non seulement ils étouffent l'affaire, mais en plus, ils la dénigrent. Donc, c'est la fin de l'interview. James rappelle qu'en lui envoyant un email, il nous envoie une copie de son livre.
Le livre, tu sais bien celui à qui je pense, auquel je pense, je l'ai lu, il dénonce absolument les infrastructures des trafics de drogue et politiques qu'il y avait dans la région de Bill Clinton, donc c'était l'Arkansas, avec les collusions dans tous les sens. C'est hallucinant, c'est édifiant. Voilà. Gang sur gang sur gang. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi. Eh bien, écoute, c'est pas la meilleure interview que j'aurais aimé traduire de James Orak vis-à-vis de la cosmologie et de la situation des différentes espèces dans notre espace proche. Toutefois, bon, ben voilà, on a travaillé un peu sur les uns et sur les autres, sur la politique. Et ça, c'est l'exemple, c'est la raison pour laquelle notre politique, à mon avis, est peu de choses par rapport à la conception, à la conscience de l'exoconscience, de tout ce qui se passe alentour de l'humanité, quoi qu'elle se comporte. Ben, pas quoi que, parce que là, en ce moment, si on ne se redresse pas, les EMV, ils n'ont plus tellement envie de nous protéger des explosions solaires, il n'y a pas de raison, hein, au contraire, ils voudraient mieux balayer tout ça. Alors voilà, on va mettre un dernier coup de collier, hein, parce que de toute façon, nous, on s'en fiche de disparaître, on sait que ça ne se produit pas. Ce qui disparaît, c'est un conteneur qui devient de plus en plus usé, en plus, avec le temps qui passe. Donc, ça tombe bien. Hein. En fait, en général, on n'apprécie pas avoir mal aux dents, en plus de rien pouvoir faire. Donc, mais bon, on ne veut pas penser à la mort. On nous identifie à nos corps, ce que nous ne sommes pas. Nous habitons nos corps. Et je leur souhaite à tous là, un bon courage à nos corps. Et à leurs pilotes. Salut, à bientôt.